tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Alors je vais vous ouvrir ce petit paquet là, j'en ai un deuxième, mais le deuxième ça m'a pas l'air d'être du bonne qualité. Par contre ça, si, tiens 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 Maïline, tiens je te prête mon téléphone. Hop là, hop hop hop. Voilà, excusez-moi pour cette tête un peu fatiguée, ça fait pas très longtemps qu'on est réveillé. C'est le week-end, on en profite. Alors, hop. Alors, je pense que c'est du diamond painting. Je suis pas sûre. Oui. Ah, je vais pouvoir tester ça cet après-midi. Alors, c'est des embouts, mais par contre, il n'y a pas de fer au bout. Alors, le premier lot, il est là. Donc, oh, vous avez... Ouais, une grande raclette comme ça. Celui-là, vous avez une raclette. Celui-là, vous avez un multiplaceur. Et alors, ceux-là, ils sont géniaux. En plus, ces multiplaceurs-là, j'y arrive trop bien. Et justement, celui qu'il y avait sur le stylo que j'avais gagné de chez l'HT Diamond Painting, il est tout usé. Et j'en avais d'autres, mais j'arrive pas à m'en servir des autres. Ils sont trop épais, là. Je sais pas si j'en ai un là, sous la main. Genre, ceux-là, autour, ils sont super épais. Et du coup, j'arrive pas à m'en servir. Et ceux-là, les comme ça en plastique, ils sont fins. Ils sont super fins et c'est super pratique. Et du coup, c'est pas pour ça que je vous les montre. C'est que de l'autre côté, c'est des embouts que justement Sandrine a présenté. Des embouts anti-fatigue. Donc, je vais tester ça cet après-midi et je vous en dirai des nouvelles. Et là, j'en ai un autre paquet parce que j'avais pris de l'eau. Ah, ça colle au doigt. Donc l'autre c'est une enveloppe comme ça. Et c'est un autre lot. Et là dans l'autre lot, voilà, il y avait d'autres choses. Oh, il y a exactement les mêmes stylos. Sauf que là c'est transparent. J'en avais pris d'avance parce que vu que c'est que du plastique, il me semblait bien que c'était que du plastique. Je me suis dit ça risque de se manger. Comme les autres. Donc là, il y a tout ça d'habituel. On a une barquette classique. On a une grosse barquette. Ça va être top parce que quand je fais des fonds, des fois, c'est toute la même couleur. Elle est trop belle en bleu. Elle est top. Et je ne sais combien de pain de colle bleu. Voilà. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'elle est mieux la rose que la bleue? La bleue que la rose, plutôt. J'en ai combien? J'en ai déjà 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. M'en ai mis 11. Bah, ça, c'est génial. Je la testerai pour voir si elle est mieux que la rose. Donc, par contre, j'attends d'autres choses en diamond painting. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais laisser ouvert. Et quand je recevrai, est-ce que j'attends une toile que je devrais recevoir? Peut-être aujourd'hui, on est samedi, peut-être aujourd'hui. Sinon, au début de semaine. Donc on verra à ce moment-là. Voilà, je vous dis à plus tard.